Jacques Liscard, un premier ministre dur, franc, courageux. Il est sur le point de partir à Londres négocier l'indépendance de son pays. Dans quelques jours, une nouvelle colonie britannique aura gagné sa liberté. Et le voyage risque d'être horrible. On est déjà très en retard. Je n'ai même pas pu prendre de première, elles sont toutes réservées. Enfin, puisque c'est pour une bonne cause. Monsieur le ministre, attention! Ça va, chérie? Et vous? Oui, ça va. Comment vous remercier? En offrant une bouteille de champagne, monsieur le ministre. Oui, cela va de soi, mon cher monsieur... Templar. Simon Templar. Vous a découvert en train de vous battre alors que nous venons d'arriver ici. Mais monsieur le premier ministre, il était ivre mort, je vous dis. Sachez qu'on nous a envoyé pour négocier notre liberté avec ce pays. Non pour affronter des ivrognes. J'ai déjà répété une centaine de fois que notre comportement dans ce pays doit être un parfait exemple d'intégrité. Et de dignité. Ça ne se produira plus, veuillez m'excuser. Oui, c'est exact, monsieur Lockhart, vous avez raison. Parce que vous serez dans le prochain avion. Merci. Ce sera tout. Le courrier. Les lettres personnelles sont de ce côté. Vous savez que vous rentrerez tôt de la réception de demain soir si vous écourtez les autres visites. Oh, j'y suis obligé. Non, mais ce serait peut-être préférable. Oui, je crois. Ah, pendant que j'y pense, Stuart, vous voulez téléphoner à ce cher inspecteur et vous lui demanderez de ne pas me faire suivre par ses gardes du corps d'une façon si visible. C'est bien normal, après ce qui est arrivé à l'aéroport. Hein. Oui, eh bien, je ne veux pas en trouver sans cesse dans mes jambes, vu? Et de toute façon, j'ai une arme. Entendu, je verrai cet inspecteur. Chérie, oh, qu'est-ce que je dois porter ce soir au château? Oh, Anne, est-ce que tu ne peux pas régler ce genre de détails toi-même? J'ai beaucoup de travail, tu sais. Oh, veuillez m'excuser. Monsieur le Premier ministre... Est-ce que tu ne trouves pas que ce n'est pas encore l'heure d'un verre? Je trouve que c'est toujours l'heure, chérie. Tu devrais le savoir depuis le temps. Santé. Vous avez été dur avec Lockhart. C'est un garçon bien. C'était un garçon bien. Et le traiter comme ça en public? Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, je crois. Il vous défendait. Vous devriez faire attention. Vous allez finir par croire ce qu'on raconte sur vous. Et qu'entendez-vous donc par là? Vous seriez le grand chef, secondé par une foule de gens qui ne sont que des pantins. Entendu, Brandt. Qu'est-ce qui vous tracasse? Regardez comme vous vous conduisez avec moi. Et je suis votre assistant, pourtant. Mais depuis 8 jours, je n'ai pas réussi à vous parler un instant. Oui, d'accord, plus tard, plus tard. Et vous voyez, ça continue.
Vous ne voulez pas revoir le cas de la carte? Non. J'espère sincèrement que vous ne commettrez pas d'erreur, Jacques. Quelque chose ne va pas? Mais... Est-ce que c'est vrai? Que j'ai longtemps fréquenté Marie Bannerman? Oui. Ça fait 4 ans environ, quand on m'a envoyé ici pour un stage. Mais quelle sorte de lettre lui avez-vous écrite? Tout ce qu'il y a de plus compromettant dans le genre. Je lui avouais que je l'aimais, que j'étais prêt à quitter ma femme, quoi qu'il advienne de mon avenir, bien entendu. Voyez, Templar, c'est très clair. Mais vous n'avez pas quitté votre femme? Non. Pourquoi? Parce que d'un jour à l'autre, une grande carrière politique s'est présentée et j'ai été obligé de choisir. Comment Marie a-t-elle réagi? Très mal. Mais elle était très jeune. C'est-à-dire? 19 ans. Eh oui, je sais. Amour de jeunesse, vous allez dire, mais j'étais très amoureux d'elle à cette époque, ou du moins, je croyais que je l'étais. Elle était gentille? Gentille? Qu'est-ce que ça veut dire, gentille? Et moi, est-ce que je suis gentil? Ce que je demande, c'est si elle peut prétendre avoir les lettres et vous menacer de les envoyer à votre femme et à la presse spécialisée. Vous êtes sûr? Mais oui, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, elle a les lettres. Pour être franc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais écoutez, voyons, je ne peux pas aller voir la police à un tel moment. Et vous m'avez déjà sauvé auparavant. Niscar, c'est une bombe qui a été lancée, il ne vous reste plus qu'à attendre d'en sentir les effets. Non, pas nécessairement, Templar. Si Marie Bannerman projetait vraiment de ruiner ma réputation, il lui suffirait d'envoyer les lettres directement. Mais non, j'ai 2 jours de grâce. Et du chantage, d'après vous? Enfin, peut-être que ça. Oui, sinon, pourquoi ce délai? De toute manière, je vais payer. Eh bien, je ne vous aiderai pas. Écoutez, Monsieur Templar, que vous ne me croyez pas n'a vraiment aucune importance, je vous le jure. Mais je vous assure que je me moque de ce qui peut m'arriver. Par contre, je tiens éperdument au travail que j'accomplis aujourd'hui. Si je venais à être destitué ces jours-ci, je crois que les conséquences pourraient conduire mon pays à une catastrophe. Où vit cette Marie Bannerman? Ça va, rentrez et taisez-vous. Attention, voilà, ça va. Restez comme ça. Prends une autre, Marie. Ça y est, j'ai fini. Et vous, qui êtes-vous? Un ami d'un de vos grands amis. Mais j'interromps les prises de vue. Nous venons juste de finir. Et qui vous a envoyé? C'est confidentiel. Ah, écoutez, si vous êtes venu ici pour vendre quelque chose... J'ai bien peur d'avoir laissé la valise miracle dans l'ascenseur. Je ne suis guère habituée à recevoir des étrangers seuls chez moi, très cher. Voilà qui est sage. Mais dans mon cas, je compte bien que vous ferez une exception. Vous ne pourrez compter là-dessus que si vous me dites qui vous êtes. Eh bien, je m'appelle Simon Templar. L'unique Simon Templar, oui, bien sûr. Vous avez deviné. Je n'en connais pas d'autres. Oui, je vois. Monsieur Templar, Jim Bell, George Ranson et Jeff Peterson. Monsieur Peterson, je vous félicite pour la série de photos de Hong Kong. Ah oui. Au revoir. Merci, les gars. Au revoir. Peterson est assez connu en tant que photographe, en tout cas. Oh, voilà qui est intéressant. Oh, mais que représentiez-vous? Munch, que tout le monde désirera goûter et regoûter. Vous en voulez peut-être? Non, merci, je ne mange jamais entre les repas. Vous travaillez souvent ici? Non, mais les lits circulaires se trouvent difficilement en ville. C'est vrai, vous faites sûrement de bons mois avec le vôtre. Quoi? Ah, je pense que les photographes paient une jolie somme pour le louer. Jeff est une vieille relation. Alors, qui vous a envoyé ici? Une autre de vos relations. Jacques Liscard. C'est lui qui vous a envoyé? Pourquoi? N'en avez aucune idée? Non. Mais je tiens à vous dire que les amis de Jacques Liscard ne peuvent devenir les miens. Est-ce que vous auriez une dent contre lui? Je le hais. Alors, pourquoi gardez-vous son paquet de lettres? Qu'est-ce que vous pouvez savoir de ces lettres? Oh, je sais qu'une personne affirme les avoir et menace Liscard de les adresser
à sa femme et aux journaux. Quelle est cette histoire? C'est faux! Alors prouvez-le. Oh, je crois que je vais faire beaucoup mieux. Je vais vous charger de lui reporter. Oh, il a certainement peur que je les utilise contre lui, c'est bien ça. Ça alors? Aurait-elle disparu? Mais oui. Celle-ci n'a rien à voir? Non. Je n'en avais jamais parlé à personne, j'en suis sûre. Et je vous jure que j'ignore où elles sont. Je sais que Jacques Liscard ne m'a jamais aimé, qu'il se servait de moi, qu'il est terriblement égoïste et ambitieux. Mais je ne ferai jamais une chose pareille, ni à lui, ni à personne. Qui le ferait? Je l'ignore. Oh, mais une minute. J'ai été cambriolée il y a 3 semaines environ, et ils ont emporté quelques bijoux et plusieurs fourrures. Et j'avoue qu'il ne m'est jamais venu à l'idée qu'ils avaient dérobé ces lettres. Oh, mais peut-être qu'ils voulaient ça avant tout et que le vol du reste n'a servi qu'à vous tromper. On a rattrapé les voleurs? Non. Qui d'autre avait entendu parler des lettres? Personne, je vous l'ai dit. Vous vous trompez. Mais peut-être que ça vous reviendra. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien, pourquoi? Bon, je vous téléphonerai à 8h, peut-être que vous aurez de nouvelles idées. Monsieur Templar, au cas où ce soit vous qui auriez des idées, je sais que je passe pour une grande pécheresse, mais cela ne veut pas dire que je me laisse facilement séduire par le saint. Croyez-moi, ou Marie est une actrice assez extraordinaire, ou elle est innocente. Alors il semble évident qu'elle en a parlé. Sans le vouloir, peut-être bien. Est-ce qu'un dénommé Jeff Peterson, un photographe, représente quelque chose pour vous? Bien sûr. Oui, sa famille habite ma propre ville. Vous le connaissez? En fait, je connais surtout son père. Je l'ai renvoyé de mon cabinet il y a 6 mois environ. Pourquoi? Parce que je suis allergique aux alcooliques. Je suis désolée. J'ignorais que tu avais de la compagnie. Allô? Templar? Oui? J'ai cru comprendre que M. Liscard désirait récupérer certaines lettres qui lui appartenaient. Qui est à l'appareil? Allez à Belfort. Garez votre voiture dans la petite cour. Vous verrez une petite église. Sur le côté, vous trouverez l'entrée d'un caveau. Je vous donne rendez-vous là-bas. Oui, je vous y verrai si vous dites... Bonsoir. Vous êtes venu pour affaires, je crois. Donnez-nous 25 000 livres et nous vous enverrons certaines lettres. Ça fait beaucoup d'argent. Elles les valent. C'est à prendre ou à laisser. Étant donné que vous n'avez pas l'air de vouloir faire le moindre marchandage, je désirerais voir ces lettres. Vous les avez? Je les ai. Oh!
Chiffon a une de ses odeurs. Et on va le surveiller longtemps? Tant qu'il faudra. Et tant pis pour le sein. Ou comment perdre votre auréole en une petite leçon. Leçon numéro 2, comment garder sa respiration. Arrête, Benson, mais ici je ne peux pas. Travailler pour qui? Cartwright. Je te dis que je peux pas. Travailler pour Jeff Peterson. Est-ce que c'est pour lui? Est-ce qu'il a les lettres de l'ISCAR? Oui. Attention, un policier. Bonsoir, monsieur l'agent. Vous savez qu'au prix où est passée l'essence de nos jours, je crois que je préfère aller à pied. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous oubliez que nous avions rendez-vous? Oh, je n'ai pas pu venir. Vous ne pensiez pas que j'arriverais à leur fausser compagnie? Je me demande pourquoi. Et comment êtes-vous entré ici? Oh, autant vous l'avouer, j'ai l'âme d'un cambrioleur. Mais d'un genre peu ordinaire. Je viens restituer tous les biens perdus. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous écoutez. J'étais couverte de dettes. Je n'avais aucun moyen de les rembourser. Alors, j'ai inventé le cambriolage et j'ai touché l'assurance. C'est très simple. C'était certainement dangereux de les garder ici, alors j'ai préféré les laisser à la consigne. Et où sont les lettres? Oh, je l'ignore. Quand je ne les ai pas retrouvées, j'avoue que j'ai perdu la tête et je vous ai raconté la petite histoire qui avait convaincu l'assurance. Est-ce que vous croyez que Jeff Peterson vous les a volées? Jeff? Mais qui vous a donné cette idée? Il m'a semblé qu'il venait très souvent ici. Oh, Jeff a le droit de venir quand il veut. Je vois. Et je suis sûr qu'il est au courant pour l'ISCAR. Non. Je l'avais quitté très longtemps avant que Jeff ait débarqué dans ce pays. Comment avez-vous fait autant de dettes? Je dépense sans compter, regardez. Ah, alors réfléchissez. D'autres gens y ont survécu. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je compte revenir vous voir demain, vers 10h. Et je pense respecter votre secret. En échange des lettres de l'ISCAR et de votre garantie écrite que vous ne l'importunerez plus. Oh, combien de fois faudra-t-il que je vous répète que je n'ai pas ces lettres? Et vous avez 10 heures pour les retrouver, chérie. Mais comment? Ça, Marie, c'est votre problème. Mais si vous ne les avez pas quand je reviendrai demain matin, je vous ferai jeter en prison dans la journée, je vous le promets. Sortez. C'est clair, dehors et vite. À 10h alors. Mmh.
Allô, Marie. Écoute, la partie risque de mal tourner pour nous tous. Templar semble au courant de tout. Je veux savoir où nous allons. Il croit qu'il vaut mieux que tu t'éloignes quelque temps. Vous êtes le bienvenu, Templar. Oh, j'espère que mes hommes n'ont pas conduit trop vite pour vous. Pas du tout, au contraire. Ah. Allons avancer. Et ne jouez pas les idiots, ce serait dangereux. Voici, j'ai gagné le pari. Alors, félicitations. Mais Jeff, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te taire. Attache-le bien, Benson. Tout de suite. Assis, Templar. Contente? Pourquoi êtes-vous venu? Parce que je m'inquiétais pour vous. Oh, ce n'est pas la peine, Benson. Il restera attaché tant que le sort de l'autre n'aura pas été réglé. Ah oui, ensuite, je serai libre? Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que je ferai alors? Je prierai pour votre salut. Si vous voulez. Alors dans ce cas, je le ferai. Ayez confiance. L'Iscar est une pourriture. Il a chassé le père de Jeff et il a conduit son pays à la ruine totale. Ah, d'ardents patriotes conjuguant leurs forces contre le vilain dictateur, c'est ça, hein? C'est ça. Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils envisagent de faire à l'Iscar, mais je suis certain qu'ils me tueront. Ils ont déjà essayé ce soir. Oh, c'est ridicule. Ah oui. Essayez de penser, il arrive que ça serve. Si je pars d'ici en vie... Ce charmant garçon passera 10 années en prison. Jeff, non! Va dans ta cabine. Essayer de renverser l'Iscar est une chose, et je suis prête tu à tout... Tu as entendu? Je vous parie qu'ils se débarrasseront de vous aussi. Tu veux qu'on s'occupe de toi? Pas particulièrement. Et puis, il se fait tard, qu'est-ce que vous en dites? Je dois repartir pour Londres. Je reviendrai avant l'aube. Tu restes avec Templar, ne le quitte pas. D'accord. Toi, reste avec Marie. Il faut pas qu'il se parle. D'accord. Et ancre le bateau au milieu, c'est plus prudent. J'espère que vous serez bien payé pour tout ça. On ne veut pas d'argent. On est des patriotes. Oh, que c'est grand. J'aimerais que vous chantiez votre hymne. Ça fera fuir les insectes. Pour vous, Madame Liscard, il est spécifié personnel.
Chérie, je désirais te parler un instant. Oh, pas aujourd'hui, si ça ne t'ennuie pas. Je suis très fatiguée, ma chérie, tu sais. Je sais, oui. J'ai horreur de m'incruster. Je t'apporte certaines lettres, celles que tu as écrites à Marie Bannerman. C'est étonnant qu'elles soient arrivées sans que tu le saches. Oh, il est possible que ton valeureux Simon Templar n'ait pas eu le temps de les intercepter. C'est possible, oui. C'est une grande révélation, tu sais, mon chéri. Pourquoi as-tu caché cette passionnante histoire d'amour durant toutes ces années? Oh, écoute, je pourrais t'en parler des heures et des heures. Je suis sûr que je ne serais pas capable de t'expliquer. Eh bien, tu dois essayer. Et je vais t'écouter toute la nuit, monsieur le Premier ministre. Oh, écoute, Anne, je suis resté avec toi, je crois. Parce que tu devais aider une pauvre alcoolique? Ou parce que tu devais penser à ta carrière, mon chéri? Oui, il y avait un peu des deux, je suppose. Eh bien, écoute ceci, monsieur le Premier ministre. Ta carrière est terminée. Oui, je te tiens. Faut être fou, mon vieux. Je parie que c'est pour une femme, comme toujours. Mais j'en valent pas la peine, je vous dis. Un beau garçon comme vous. Mais qu'est-ce qui vous a attaché? C'est moi, mon vieux. Est-ce que vous voulez essayer de l'enlever? Vous sentez bien? Oh, oui, bien sûr. Je suis un peu humide, c'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé de vous suicider? Non, c'est une petite expérience. Je pense traverser la Manche de cette façon dans un an ou deux. Et comment vous vous appelez, monsieur? Où dînez-vous? Vous avez peut-être connu mon grand-oncle. Tenez, désolé pour l'eau et merci encore. Au revoir. Rogers! Il s'est enfui. Allons vite à sa voiture. Il a dû y aller. Remonte l'encre, tu veux?
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un coup de feu. Liscard! Liscard! Que s'est-il passé? Il s'est tué, mon vieux. C'est un suicide. Je ne pourrais pas affronter ce scandale. Je préfère en finir. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Demandez aussi une ambulance. Il est encore en vie. Je ne vois pas la nécessité de laisser la police voir le billet qu'il a écrit ou n'importe quel autre document. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut détruire les indices? Peut-être. Pourquoi provoquer un scandale? Madame Liscard aura déjà suffisamment... Oh, merci, Bob. Mais c'est inutile. On ne pourra pas cacher cette information à nos journaux. Vous voyez, on est obligé de décrire sa mort. Ah, seulement s'il succombe à sa blessure, Monsieur Brandt. Ne l'enterrez pas trop vite. L'inspecteur Till, madame. Madame Liscard, je suis désolé pour cet événement plus que regrettable. Merci, inspecteur. Voici M. Brown, adjoint au Premier ministre, M. Stewart, secrétaire particulier, et M. Simon Templar. Croyez-moi, on m'a invité, Claude. M. Templar fait une enquête personnelle pour le compte de mon mari. Je crois qu'il est inutile de tourner autour du pot, inspecteur. Quelqu'un faisait chanter le Premier ministre, et il est évident qu'il n'a pas pu le supporter. Est-ce que vous pourriez dire l'heure du coup de feu? Eh bien, il devait être près de 3 heures, je crois. Et c'est bien votre mari qui a écrit ça? Il a plutôt gribouillé. Mais il écrivait comme ça quand il voulait aller vite. Ou quand il était en colère. Ou bouleversé. Où est l'arme? Ici, Claude. Vous trouverez les empreintes de Liscard dessus. Il l'avait en main quand on est entré. Merci, Templar. Oh, votre service, Claude. Il semblerait évident que M. Liscard se soit ou blessé accidentellement avec son arme, ou, excusez-moi, Mme Liscard, qu'il ait tenté de se suicider. C'est certain. Non, Claude. Quelqu'un a essayé de l'assassiner en faisant croire à un suicide. Non, c'est ridicule. Nous étions à côté, c'est impossible. Le chantage, M. Brandt a servi à quelqu'un pour amener ce meurtre. Vous pourriez peut-être alors nous décrire ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Supposons que je prenne la place du meurtrier. J'entre par la fenêtre. Liscard est assis ici. Il ne sonne pas l'alarme parce que je suis un ami. Alors je bavarde avec lui de choses et d'autres, tout en me dirigeant vers la porte. Et tandis que je lui parle économie ou politique, je tourne la clé de la porte derrière moi. Ensuite, je m'avance à nouveau vers lui. À cette heure-ci, le Premier ministre est très fatigué et irritable. Il se lève en me disant qu'il va se retirer dans sa chambre. J'en profite. Je me recule tout en discutant. Je prends son arme. Oui, je sais où il l'avait mise. Écoutez, mon cher Premier ministre, asseyez-vous et restez tranquille. Et je lui tire dessus. Je vais placer ce joli billet préparé à l'avance sur son bureau et bien en évidence, et puis j'efface mes empreintes et je mets l'arme dans sa main. Et je repars en utilisant le moyen que j'avais choisi pour entrer, bien avant qu'un de vous ait eu le temps d'enfoncer la porte. Complètement ridicule. Oui, complètement. Vous vous laissez un peu trop influencer, Claude. Et maintenant, vous allez nous dire que vous savez qui a tiré? Bien sûr. Je pense que c'est un dénommé Peterson. Peterson n'est pas en Angleterre. Mmh. Mais son fils est ici. Faites arrêter un photographe appelé Jeff Peterson et demandez-lui où il était à 3 heures ce matin. On verra ce qu'il dira. Merci pour les vêtements, Madame Liscard. Je vous les rendrai demain matin. Bonne nuit.
Tiens, quelle surprise. Vous avez des amis avec vous? Oh, j'ai décidé de réfléchir un peu, suivant votre conseil. Et vous avez fait votre valise, puis dit au revoir à vos amis, ils vous ont laissé filer? Non, pendant que l'énorme brute était partie à votre recherche, j'ai réussi à assommer celui qui restait avec une sorte de gourdin. Et j'ai pris le train pour Londres. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous, hein? Je n'en sais rien. J'ai pensé que j'étais en danger et que vous me garderiez avec vous. Vous avez vraiment cru que tout ce que Peterson voulait faire, c'était de discréditer Liscard? Oh, je vous jure que c'est la seule raison pour laquelle je lui ai donné les lettres. Eh bien, il a essayé de le tuer. Oui, c'est vrai, et en ce moment, il est recherché par la police. Oh, mais je vous assure que je n'en avais aucune idée. Oui, peut-être que nous voulions tous les deux le renverser. Je le haïssais parce qu'il m'a... Il m'a renvoyé. Et Jeff le détestait pour ce qu'il a fait à son père, et nous pensions sincèrement que Liscard était un mauvais dirigeant. Mais l'assassiner... Oh, jamais. Il vous a berné. Il a voulu faire croire que Liscard s'était suicidé parce qu'on le faisait chanter. Mais par miracle, il n'a pas été tué. Il devrait s'en tirer. Eh bien, alors prévenez la police. Je crois que je ne pourrai éviter d'aller en prison. Allez vite vous cacher derrière la porte. Tiens, Claude, vous me gâtez beaucoup trop, deux fois dans une même nuit. C'est sans doute une tentative de suicide. Vous êtes heureux de me le dire, pas vrai? Heureux peut-être, mais pas convaincu. Vous avez tort. Si on pariait. Claude, vous avez l'air de jouer les Sherlock Holmes qui voudraient confondre Watson. Liscard a été blessé vers 3 heures du matin, n'est-ce pas? Oui. Par Jeff Peterson. Toujours oui. À 1h30 cette nuit, une petite voiture noire est entrée en collision avec un camion à la sortie de Twickenham et le chauffeur a été tué sur le coup. Jeff Peterson? Mais oui, Watson. Alors, Jeff Peterson ne tirait sur aucun ministre à 3 heures. Il faisait route vers le ciel. Alors, ne jouez plus les policiers, laissez-nous faire. Il ne nous reste plus qu'à attendre la confirmation de ma théorie par Liscard. Quand il reprendra connaissance, il s'en sort. Quelles sont ses chances? Normal, sans doute. Au revoir. Son état est resté stationnaire, Madame Liscard. C'est toujours un peu encourageant. Je reviendrai tout à l'heure. Merci. Madame Liscard. Comment va-t-il? Oh, toujours pareil. Oh, écoutez, ce n'est pas la peine de rester ici à le veiller toute la journée. Oh, en fait, j'allais m'en aller. Madame Liscard, est-ce que vous croyez que votre mari était le genre d'homme à tenter de se suicider? Je répondrai que non. Mais qui sait ce qui s'est passé? Et je ne lui ai pas été d'une aide très précieuse. Est-ce que vous lui aviez dit que vous alliez le quitter? Je le lui ai laissé entendre. Le quitterez-vous? Ce sont mes affaires, Monsieur Templar. Les miennes et celles de Jacques.
Ça suffit, entrez là-dedans. Pourquoi avez-vous tué cet homme? Ne dites pas de bêtises, Claude. Est-ce que vous voulez m'accuser de meurtre par hasard? Les morts ne disent rien. D'accord, je vous présente des excuses, Claude. La prochaine fois, je me laisserai abattre et vous pourrez les arrêter. D'accord, je ne doute pas que vous ayez probablement sauvé l'Iscar, c'est vrai. Oui, eh bien, si vous tenez à votre ministre, Claude, voici ce que vous allez faire. Ce que j'ai à vous dire est strictement confidentiel et ne doit être répété à personne, c'est compris? Oui, c'est très clair. Je dois envisager de prendre la précaution de n'autoriser aucun d'entre vous à voir M. Liscard. J'ai bien dit aucun. Et à part moi qui dois le protéger, bien sûr. Oui. Et dans le cadre de ces précautions, il va être transporté vers un autre hôpital de la région ce soir à 10 heures. Mais est-ce qu'il peut être transporté, à votre avis? Il est presque sauvé. Le docteur pense même qu'il parlera dans la matinée. Où allez-vous le conduire? Je ne dois rien vous révéler. Je crois que nous en avons le droit. Pour sa sécurité, personne ne doit le savoir. Eh bien, Claude, cher ami, il semble que vous contrôliez bien la situation, alors je vais vous laisser seul en leur compagnie jusqu'à notre départ. Au revoir, Madame Liscard. J'ai la vague idée que votre cher mari va vite se remettre. Voudriez-vous attendre une seconde? Monsieur Templar, je ne serai pas autorisée à parler à mon mari tant qu'il ne vous aura rien dit. C'est ce qui a été convenu. Peut-être vous êtes-vous demandé ce que je pouvais faire quand vous m'avez surprise dans sa chambre. J'étais venue écrire un mot que j'aurais laissé près de lui, disant que tout était oublié maintenant, qu'on pourrait recommencer. Vous pourriez peut-être le lui donner? Mais bien sûr, Madame Liscard. Pas un geste, on ne vous fera pas de mal. Allez, Stewart, tout est fichu. Comment l'avez-vous su? Je l'ignorais. Mais quand Peterson s'est tué, ça ne pouvait être qu'un de vous. Et je vous ai obligé à faire une erreur. Je vous remercie, très cher. Je crois que vous avez gagné votre pardon. Non, je ne pouvais croire ça de Stewart. Et c'est pourquoi je ne lui ai offert aucune résistance. Le droit, l'inestimable Stewart. La raison est très simple, monsieur le ministre, c'est l'ambition. Et si on parlait de vous, je cherche un homme que je placerai à mon ministère de la Défense. Oh non, merci, monsieur Liscard. J'ai l'esprit pacifique. Vous avez quelque chose de particulier à faire? Non. Bon, parce que j'ai un besoin urgent de me changer les idées et je crois que vous allez m'être utile, pas vous ?